Salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo annonce. Alors pourquoi? Eh bien j'ai reçu un commentaire sur une vidéo de Doc.Vita qui m'a donné vraiment une très bonne idée. Alors il me proposait en fait que mes abonnés m'envoient des clips, alors il a dit au sniper ou autre sur Killzone Mercenary, mais je pense qu'on pourrait essayer de faire ça avec d'autres jeux. Donc en fait voilà, ça consisterait à ce que vous m'envoyez vos clips, donc voilà, des, je sais pas, une petite série de kills, ou par exemple, je sais pas, un beau but sur FIFA, ou je sais pas, des trucs comme ça. Voilà, donc des vidéos de préférence évidemment courtes, voilà, des petits clips sur... Voilà. Alors voilà, vous pourrez éventuellement essayer de m'envoyer donc vos clips. Alors, je ne prendrai que en fait les clips qui sont sur YouTube. Voilà, ça m'éviterait de tomber sur des vidéos avec des formats un peu étranges, ou voire même de tomber sur des liens un petit peu foufou, on va dire. Voilà, c'est vrai qu'il faut toujours prendre ses précautions avec ce genre de trucs. C'est vrai qu'en général, toutes les chaînes YouTube avec les abonnés qui envoient leurs clips, en général, c'est des liens YouTube, voilà, pour éviter les pièges de virus ou je ne sais pas quoi, voilà. Donc voilà, j'accepterai que les liens YouTube. En plus, ce sera beaucoup plus pratique pour moi pour télécharger la vidéo en format MP4, voilà, pour avoir toutes les vidéos dans le même format, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, idéalement, ce qui serait bien, ce serait qu'on arrive à faire un bon truc, voilà, avec vos clips sur Mercenary, ce serait vraiment bien, et éventuellement faire une deuxième fournée en quelque sorte avec d'autres jeux, voilà. Vous pouvez même éventuellement faire ça sur PS4 hein, avec l'application Share, je sais pas, ou je sais pas, vous avez un petit bug par exemple que vous avez filmé, ou une jolie action sur un jeu, bah, je sais pas quoi. Vous pouvez garder le clip, vous pouvez le télécharger par exemple sur clé USB, hein, vous pouvez récupérer vos vidéos, ou même avec Share Factory, je sais pas quoi. Voilà, vous uploadez ça sur YouTube. Si vous avez quelques petits soucis pour YouTube, par exemple si vous n'avez jamais uploadé de vidéo, vous pouvez me demander, hein, je pourrais vous aider volontiers. Donc voilà, vous uploadez tout ça sur YouTube, vous m'envoyez le lien dans l'adresse mail que je vous ai indiqué, et puis moi bah écoutez, j'essaierai de faire une petite compilation bien sympa, puis comme ça vous pourrez apparaître dans la chaîne. Donc voilà, un grand merci à Doc.Vita. Voilà, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors beaucoup de youtubeurs font ça, notamment Fragile Production pour ceux qui connaissent, voilà, mais bon c'est pas grave, ça permet vraiment de faire participer les abonnés, je trouve ça assez intéressant. En plus bon, comme vous le savez, c'est vrai qu'en général à partir de septembre jusque l'été, en général ma chaîne est difficilement active, on va dire, j'ai pas souvent le temps ni l'envie de faire des vidéos en cours d'année, donc voilà, ça permettrait de faire vivre la chaîne à travers vous en fait, voilà, vous faire participer dans la chaîne, donc ce serait vraiment sympa. Alors bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, donc peu importe la qualité, voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un très bon appareil, on s'en fout, voilà, on fait ça à la bonne franquette. Même si le cadrage n'est pas non plus à la perfection, voilà, vous tracassez pas, envoyez les clips comme vous voulez. Alors je vous garantis pas que ce sera forcément accepté, hein. Imaginons que dans le meilleur des cas j'ai beaucoup de commentaires, enfin beaucoup de messages et beaucoup de clips, je vais peut-être pas tous les mettre dedans, je ne sais pas, enfin je vais essayer de faire en tout cas le maximum. J'espère que ça va pas trop bider, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de retenue, c'est-à-dire que le problème c'est que sur PS4 par exemple, on peut enregistrer nos clips avec Share tout en jouant normalement. Sur PC, excusez-moi, on peut voilà avoir des logiciels de capture d'écran ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est vrai que sur PS Vita c'est pas très pratique, il faut filmer tout en jouant, donc j'espère qu'il va y avoir beaucoup de concurrents. Si jamais, enfin concurrent, participant, bon si jamais il n'y a pas beaucoup de participants, bon bah écoutez, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Peut-être que cette vidéo sera un top 5, peut-être un top 10, peut-être une vidéo de 6 minutes, j'en sais rien du tout. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous avez à proposer. Alors j'ai pas de délai particulier, ce sera en fonction en fait de, bah, de vous, voilà, de ce que vous m'enverrez. Bon, imaginons que dans 2 semaines j'ai déjà de quoi faire une vidéo, bah, je la ferai dans 2 semaines. Imaginons que ça bite plutôt bien, bah, je vais attendre. Si vraiment ça marche bien, je pourrai en faire de temps en temps. Voilà. Bon écoutez, n'hésitez pas aussi, par exemple si vous êtes youtubeur, vous pouvez m'envoyer, je sais pas, le lien de votre vidéo. Vous me mettez par exemple comment dire, la durée que vous souhaitez, par exemple, je sais pas, imaginons que dans votre vidéo, de 2 minutes 50 à 2 minutes 55, il y ait par exemple, je sais pas, une super belle action. Imaginons, bah voilà, vous me mettez le lien de votre vidéo en message, vous me mettez le passage, voilà, que vous souhaiterez voir sur ma chaîne dans un espèce de zapping, et je le sélectionnerai, voilà, on peut faire ça. Alors oui, un petit truc, évitez peut-être de mettre des musiques dans votre vidéo, pour éviter que j'ai des problèmes avec les droits d'auteur, mais que je sois obligé de couper la vidéo sur enfin, couper la musique sur vos vidéos, voilà, ce serait plutôt sympa si vous pouvez éviter de mettre des petites musiques, voilà, ou alors des musiques, voilà, libres de droits d'auteur, voilà, par exemple, on tombe sur des chaînes sur YouTube avec des musiques libres de droits d'auteur, donc voilà, éventuellement, vous pouvez faire ça. Voilà, donc oui, des vidéos courtes, ou alors si c'est des vidéos longues, voilà, précisez bien la durée de la vidéo.
Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai vraiment tout dit. Bah écoutez, histoire aussi voilà, de faire un petit point sur ma chaîne. Donc je suis plutôt content de cet été parce que, bon voilà, j'avais pas non plus des idées, on va dire, farfelues. À part mon let's play sur GTA, j'ai pas vraiment fait d'innovation sur ma chaîne. Mais je suis vraiment content de voir que, tout en restant sur Vita et un petit peu PSP, puis de temps en temps sur PS4, je suis quand même content. On grimpe à 385 abonnés, enfin 386 même, c'est bien, ça a augmenté ce matin, c'est cool. Voilà, donc je suis vraiment bah, très content de ça. Voilà, sur Vita, sur une chaîne pas très actif, parce que c'est vrai que des fois ça m'arrive de pas faire de vidéo pendant 2 mois, bah, je suis quand même content d'avoir ce nombre d'abonnés, même s'il n'est pas énorme. Je suis très content par contre d'un truc, c'est que je me souviens que sur mon ancienne chaîne, on avait, comme je pense à peu près tous les gros youtubeurs, entre guillemets, parce qu'on avait que 2000 abonnés, ce qui est pas non plus ouf. Voilà, sur mon ancienne chaîne, c'est vrai qu'on avait pas mal de haters quand même, enfin pas mal, 5 ou 6 quoi, haters. Et là, je me suis rendu compte sur Vita, enfin sur ma chaîne, sur Vita Ben 17, que depuis que j'ai YouTube, j'ai eu que 2 insultes en commentaire, en vidéo. Donc je suis vraiment content. Voilà, ça, c'est pas énormément vu ma chaîne, mais voilà, ceux qui regardent sont contents. Et voilà, moi je préfère qu'il y ait 100 personnes qui regardent mes vidéos et qui soient contentes, plutôt que 1000 personnes qui regardent ma vidéo et qu'il y en ait 200 qui soient contentes. Voilà, moi je suis vraiment ravi de ça. Donc voilà, merci beaucoup, parce que même si je suis quand même pas très actif, ça me fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à regarder les vidéos même pas 1 heure après la sortie, donc ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà, j'espère que bon, la chaîne ne sera pas trop morte à partir de septembre, parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, en même temps, il y aura le let's play de GTA Vice City Stories, il faudra que je le termine. Ben, à la rentrée, il sera évidemment pas terminé, on est déjà le 29 août et j'en suis qu'au 5e épisode. Donc voilà, je pense que ça va faire durer. Killzone Mercenary, voilà, comme d'hab, des petites parties à l'ancienne, il y aura toujours. La PS4, par contre, je dois avouer, je ne sais pas trop quoi en faire. Je vous remarque bien que sur la chaîne, ça vous intéresse pas particulièrement. Alors, c'est pas une critique que je vous fais. Après tout, c'est de ma faute. C'est à moi d'essayer un petit peu de vous captiver. C'est vrai que mes vidéos sur PS4 bident un peu. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu, notamment la vidéo que j'ai faite avec Guns sur Rocket League. Je trouve que c'était vraiment une vidéo fun. On s'est vraiment bien marré. Il y avait vraiment du bon gameplay. Je vous avoue que je suis un tout petit peu deg que voilà, mes vidéos sur PS4 bident un peu, à part Shadowfall. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, ça fait partie de YouTube. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si jamais j'ai oublié des trucs, je penserai à les mettre en annotation. Voilà, donc vous avez l'adresse mail, vous savez quoi faire, vous pouvez m'envoyer vos liens. Et voilà. Et bah écoutez, bon jeu, mes amis. Voilà, j'espère que vous aurez des clips bien intéressants à me montrer. Vous tracassez pas, hein, soyez pas non plus pressé d'envoyer des clips super bien. Hein. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Et voilà, écoutez, j'espère que ce projet verra le jour et qu'il y aura des participants. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à envoyer vos clips et à la prochaine. Ciao, ciao!